Eh bien, bonjour à tous et puis bonne Sainte-Cécile à tous les musiciens parce que c'est la Sainte-Cécile aujourd'hui. Voilà, on a aussi plein d'anniversaires aujourd'hui, notamment l'anniversaire de Josiane. J'ai un petit morceau tout à l'heure, Baiser le Mouchou pour Josiane et Daniel, bien évidemment. Et puis, eh bien, on va commencer par un petit morceau, une petite marche. Tout le monde en piste, c'est parti, c'est la fête aujourd'hui. Thank you.
Amélie. Alors, je t'ai demandé une chanson particulière aujourd'hui. C'est nos amis de Moulines, là-bas, dans le Calvados. Les pauvres, ils sont confinés jusque-là. Voilà, elles nous ont demandé la Saint-Hubert. Alors, c'est aussi pour tous les chasseurs, bien sûr, hein. La Saint-Hubert. Et là, je vais sortir le corps de chasse. Attention, ça ne rigole pas. Aïe. Vous entendez là-bas dans le fond des bois? Sainte-Cécile, la fête des musiciens. On va retrouver notre tété national qui va nous chanter Bésamé, Bésamé Moucho. Ça veut dire embrasse-moi beaucoup. Dis bonjour à Didi. Oui, dis bonjour à qui tu veux. C'est Didi qui nous regarde, notre fille. Didi, ta fille. Didi, alors, voilà, on est même en direct maintenant de l'Espagne. Il y a aussi quelqu'un qui nous écoute du Québec régulièrement, pratiquement tous les jours. On a Jean Anger aussi qui nous regarde. Bonjour Jean. Voilà, Jean Anger qui est là. En Angleterre. Et Steve Roxton, d'abord en Angleterre. Il y a des gens un peu partout. On avait des auditeurs qui étaient au Brésil, comme toi. Hein. Et voilà, justement, on va partir avec. Avec son espagnol, de la Montréalé, là, Teresa qui va nous chanter Besame Mucho. Hein? Non, non. Thank you.
c'est terminé. Non, non, j'ai que... On est aujourd'hui dimanche, hein. Alors... Alors, tu sais pas. Ces chansons, là, j'ai trouvé par là. À la page 182 du catalogue. Voilà, on l'a retrouvé. Alors, vous allez pouvoir danser sur le Madison. Je vais vous parler d'une de mes anciennes fiancées, personnelle. Hein. Bien avant traité et bien avant toutes les autres aussi. Hein. Voilà. Mon Dieu qu'il en a eu. Eh ben, mon Dieu, voilà. Je compte surtout pour m'accompagner dans celle de Madison. Oh.
Au fond de leurs yeux, que ça m'a fait mal.
que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Mais dans ce décor, banane à pleurer. C'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main, les yeux fermés vers d'autres matins. Remplis de soleil, on les a couchés, unis et tranquilles, dans un lit creusé, au loin de la ville. Et je me rappelle à quoi refermer dans le petit jour la chambre d'hôtel des amants d'un jour. Mais ils m'ont planté tout au fond du cœur un goût de leur soleil et tant de couleurs. Que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Mais dans ce décor, banane à pleurer. Il y a toujours dehors. La chambre à louer. Alors, c'est j'avance un jour. Alors, je suis un petit peu plus gay. On va repartir en Espagne. Et je pense que je peux chanter Viva l'Espagne. Depuis mon voyage en plein cœur de l'Espagne, la dame gagne les puissantes espagnoles. Toute ma chambre est décorée de couleurs vives, et je m'enivre en respirant tout plein sur des affiches de puissants taureaux. Sans ma déclarée du vol de la gueule, j'aime. Espagne, donnez-moi un peu de sommeil. Où est Espagne?
Edith Piaf. Non. Tu fais rien de rien. C'est barré de croquer. Ah non, non, c'est maintenant, non, rien de rien. Ah ouais. Ah oui, c'est. Madame essaie de discuter le prix du cachet en coulisses. Non, mais je pensais que tu faisais la même chose. Non, tu le fais après. Mais non, mais non, mais non. Tu mais non. Faire quand? Parce que Christian, il te regarde, il attend son morceau. Hein. Qui ça? Christian, il te regarde, il attend son morceau. Eh bien, il aura la fin, il va attendre jusqu'au bout. Alors, c'est parti. Alors cette chanson-là, je la dédie à ma petite nièce Maril, qui adore cette chanson-là. Et puis on a des très bons souvenirs lors d'un repas de famille du commune. Voilà. Tout le monde ne connaît pas Maril, mais les gens connaissent bien les gars de Maril, par contre. Hein. Non, mais... bon, Maril, si tu me regardes, je t'embrasse bien fort, c'est pour toi. J'ai planté coucou.
C'est du supplément, donc ça va être après, hein, puis voilà. Donc il faut qu'on discute des prix aussi, voilà. Une très jolie chanson poétique que nous interprétait notre ami Patrick Sébastien. C'est une petite merveille. Elle est toujours d'actualité. Vous allez pouvoir constater par rapport aux paroles, quoi, hein, voilà. C'est parti. Allez, Patrick Sébastien.
comme si on disait pas à cette connerie. Faut que j'y rajoute les miennes. Tout proprené, tout confiné, je vous promets, je n'en voudrais pas. Vous avez le droit de vendre un café, de chanter aussi pour moi. C'est dimanche. Et c'est pour mon ami Christian Gott, qui est un très bon guitariste chanteur, qui déprime au maximum. J'aurais bien voulu être avec nous aujourd'hui, mais il est comme un confiné. Donc on va lui faire les résultats du quintet. Ça va être le rêve des jockeys. Ah, ben voilà. Si c'est le résultat. Eh ben voilà. Hein. Vous pouvez me dire, moi je connais, hein, c'est le rêve des jockeys. Et c'est parti pour le rêve des jockeys. On va faire son batterie, hein, on va le faire, voilà. À poil, hein, comme on est actuellement, hein, on est là. C'est pareil. Thank you.
Cédric Beuze et Sébastien qui adorent ce morceau-là. Pour mon ami Michel Collard aussi, mon petit Michel qui est aussi isolé, connu là-bas à Alençon. Ouais, pour vous tous les amis. On a oublié quelqu'un aujourd'hui, alors on va encore faire un petit supplément. Ça va être pour ma copine qui danse habituellement avec son balai. Allez, pour Marie-Angèle, un petit tango. Ce sera le dernier, bien évidemment. Parce qu'autrement, on va empiéter sur l'heure de notre ami Christophe Breu, qui va passer après en direct à... Ah oui, à 17h30, Christophe, n'oubliez pas. Et je crois que c'est la dernière, parce qu'il doit travailler la semaine prochaine. Donc c'est sa dernière aujourd'hui, 17h30. Mais il a quand même bien participé aussi. Ah oui, bravo Christophe. Tous les matins, à partir de 10h, on a aussi Nicolas Devoir qui est là. Hein, sympathique Nicolas Devoir. Un petit tango, on sort le balai, on sort sa cavalière, et c'est parti, on attaque le tango.